RE, YouTube, RE, le stream. Nous continuons notre run de Returnal, tout part en couille, parce qu'on a fait une run qui était pas ouf, mais finalement on s'en est très bien sorti, mais pas vraiment, et là où en fait au lieu de se téléporter dans le désert, nous nous retrouvons dans le troisième biome qu'on avait découvert la dernière fois et où on s'était fait défoncer d'ailleurs, et là on a failli crever déjà une première fois, bêtement, par une sorte de mini-boss. Et ça m'aurait vexé, en vrai, de mourir comme ça. Alors, là, je vois pas l'intérêt de ça, par contre. Mais on n'est pas mort, et écoutez, on est un peu au fond du fond niveau, niveau vie, mais c'est pas grave. C'est dommage, parce qu'en fait, je me dis que cette astuce-là pour shortcut, finalement, le désert, c'est pas ouf. Parce que ça nous a quand même empêché... D'accord. Ça nous a quand même empêché de... Ok, ça fait des dégâts de poison. Je comprends mieux. Bah, ça nous a empêché de nous looter en fait. Donc là, on a une arme plutôt forte qui est en... En gros, on a eu une upscale de maîtrise, ce qui a fait qu'on a looté cette arme-là qui est très forte, effectivement. Mais c'est quand même l'enfer. Ok, c'est lui qui balance ça. On va mourir en fait. Hein. Voilà. Voilà. L'astronaute a été claqué. On vient de reboot la VOD pour ça. Un plaisir. Et je vais crever. Et je vais crever. Et je suis mort. Je suis mort instant. Ouais, donc en fait, shortcut. Shortcut le désert. Shortcut le désert n'est absolument pas une bonne idée parce que du coup on n'a pas pu se stuff suffisamment bien. Je suis dégoûté. Du coup j'ai presque envie de m'arrêter là. Mais non. On va persévérer, on va essayer de faire une autre run. Oula oula oula. Et on recommence à zéro alors que je m'étais mis trop bien. Mais on a nos 9 d'éther au fait. J'avais presque zappé ça. Oui, donc finalement, heureusement que j'ai un peu arnaqué le game avec tous les sous qu'on a fait run précédente. Au moins, ça nous permet de... De passivement nous faire avancer sur notre expérience globale. Bon, le tout est quand même d'avoir un meilleur début. Hein. Le tout est d'avoir un meilleur début. C'est vrai qu'on a un petit peu cagué dès le départ de la run précédente. Bon là on s'est fait tuer instant. Parce que clairement on était understuff. De toute façon voilà, je vous l'avais dit, j'y croyais pas. Donc c'est pas grave. Yes. Ok, donc quand on prend un coup, notre combinaison tire un projectile. Ma foi, ça m'a l'air plutôt sympa. Alors le fait que voilà, il y a du décor qui est destructible, ça sauce un petit peu. Alors j'ai pas envie d'ouvrir le coffre en haut vu qu'on a... On va peut-être essayer de trouver l'interrupteur, voilà. Mais je vais pas ouvrir le coffre maintenant, je vais attendre. Sait-on jamais ?
Mais attends, y'a pas. Non, j'avais cru voir des racines à péter, mais pas du tout. Et là, du coup, c'est quoi? Ça va être le. Ah oui, direct! Mais on pourrait le direct rusher le désert, n'est-ce pas? On va pas le faire. Donc en fait, via le premier monde, on peut aller via le désert, mais on peut aussi aller via le troisième. On peut aller au troisième monde direct. Mais c'est. C'est un peu surabusé. Bon, j'ai chié mon tir ultime, donc forcément. De la merde en barre, j'ai pété mon adrénaline. Bon, j'ai vraiment décidé de faire n'importe quoi ce soir. Hein. Je suis vraiment trop con. En plus, j'ai l'impression que c'est un peu genre le meilleur ulti qu'on a. Hein. Putain, mais se faire toucher au dernier moment par une attaque nulle, mais. Oh là 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 là. C'est quand même terrible. Oui, surtout qu'on avait ça au-dessus pour éventuellement jump et tout. Donc se mettre bien. Hein. Il y avait une solution pour s'en sortir convenablement sans faire de la merde. D'accord, et oui, de toute manière, il me montre l'icône pour me dire qu'en gros, voilà, il y a quand même la possibilité de changer le monde par là. Bon, je vais jusqu'au bout, juste pour voir s'il y a quelque chose. Ouais, non, mais c'est la porte, ok. Ouh. Ok, ok. Non mais je sens. Oh. Par contre, honnêtement, je vous le dis, je sens que en fait cette session va vite s'écourter parce que je suis juste au bout de ma vie. Hein. J'arrive pas à jouer. Je suis trop crevé. Mais en fait, le problème c'est qu'on a joué là toute la journée avec ma femme. Du coup, je suis complètement paumé. Mais là, si je vais dans l'eau, je prends des dégâts. Ouais, on a joué toute la journée avec ma femme et du coup, je suis complètement largué. Donc ouais, je me demande si je vais pas genre juste mettre le haut là de suite et on reprendra demain à tête reposée quoi. Ça me semble quand même un pet plus judicieux. De l'éther. De l'éther. J'ai l'impression que ça prend qu'un peu au niveau de la vitesse de. Au niveau de la vitesse des rayons. Ah mais ils mettent une relique inconnue quoi. Ah oui, oui, oui. On avait failli l'acheter ça d'ailleurs. Eh ouais, et vas-y, la run où les obolites restent 3 secondes de plus.
tu peux y aller. Que je vais give up la run. Non mais Et là on est passé niveau 1. Ouais, alors on avait un coffre à ouvrir par contre. Et vu qu'on est passé niveau 1, ce serait pas mal de concrétiser. Réduit les coûts de fabrication de 15%, réduit le taux de maîtrise de 15%. Bah c'est fort, mais mais pas vraiment. Écoutez, si on a de quoi sacrifier des parasites, on reviendra peut-être. Faut vraiment que je me téléporte pour aller chercher... pour aller chercher le coffre. Que des mini-îles de merde. Bon, j'y vais maintenant. C'est forcément mieux. C'est forcément mieux parce que le brise-bouclier, j'en veux jamais. Alors ça, du coup, maintenant, on sait que c'est juste une arme qui fait du poison en continu. Et je trouve que pour les robots, c'est horrible. Parce que voilà, on a vu les robots qui faisaient les ondes autour d'eux là quand ils mouraient. Bon, en même temps, vas-y. C'est quoi? Il faut upgrade les passifs. Donc je vais la prendre. Au pire. On est très mal parti, donc c'est pas grave. Et là, il me faut une clé que j'ai. Parfait. Super. Merci. Super. Non mais... Le jeu du troll. Cela dit, avec les obolites qui restent plus longtemps, ben en fait, on se met plutôt bien avec cette arme. Bon, écoutez, par contre, on est arrivé d'où? Là, je crois. Donc ça, c'était un parasite, ok. Écoutez, pour l'instant, on va jouer avec cette arme-là. Et si on gagne de la maîtrise, on ouvrira le coffre. Donc là, c'est pareil, ce coffre-là, en fait, on n'ouvre pas. On va dire que pour l'instant, voilà, cette arme-là me convient. Hein ? Pas de folie, ça sert à rien. En vrai, c'est fort, hein ? Objectivement, c'est fort.
C'est juste que je me sens tout le temps obligé, vu que je suis parano, de surveiller la vie de mes ennemis. Du coup, ça me sabote plus qu'autre chose. Ok. Mais non, en soi, c'est très fort. J'ai l'impression que les petites flaques vertes que je laisse, ça laisse aussi... Eh ben tiens, hop, on prend ça. Aimant à obolite, là, il faut upgrade ça. Oh là là, mais ouais, mais les gars... Refroidisseur de tir secondaire, d'accord. Toute la vie que je loot, mais... c'est écœurant. Immunise contre les effets de ralentissement. Alors ça c'est fort. Je crois qu'on l'avait eu. Ou on avait pu l'acheter, je sais plus. Peut-être qu'on a, on avait eu l'occasion de l'acheter, on l'avait pas fait. Putain, mais j'ai sursauté en plus avec cette connerie. Est-ce qu'on a un intérêt d'ouvrir? Je pense pas. En plus, on est bientôt niveau 2. Hein. Donc, autant attendre. Mais. Je suis trop con. Fait toucher. Je déteste ma vie. Putain. Ouais, j'étais niveau 5 en adrénaline, je me déteste et j'avais toutes mes... Jusqu'au bout, je n'upgraderai pas ma vie. Ouais, on va quand même finir d'upgrade l'aimant à obolite. C'est une run qui semble-t-il, semble être foutue. Tout à fait, je vais mourir. J'ai même pas compris ce qui s'est vraiment passé en soi. On l'a débloqué le... Ah oui d'accord, ok, donc en fait maintenant, genre l'obolite vient directement à moi. C'est trop fort.
Bon, allez. En fait, l'aimant au bolide, c'est trop fort quand on veut jouer safe. Tout simplement. Mais... Et je me refais toucher, mais putain de... Pourquoi j'ai plus les mains en bolite? Vous savez quoi, YOLO? Ok. Ouais, par contre avec cette arme là faut parfaitement bien jouer le délire de la surcharge. Ramasser parasite, c'est parfait. Voilà. Non, parce qu'en vrai, ramasser des parasites, mais ça me va très bien. Déjà 6 milliards en votre possession, bande de bâtards. Pourtant, il m'intéressait. Hein. Permet de réutiliser une clé, se détache après la première utilisation. Bon, fou. Moins 75% de dégâts des armes lorsqu'immobile. En vrai, on s'en fout un peu, non? Yes. Oh! Ah oui, mais si je récupère une relique. Clé détruite. C'est pas grave. J'ai vraiment mon sac à merde là. Relique stabilisateur de bolide détruite. Non, j'ai perdu ça, j'aurais pas dû. Alors ça par contre c'est très con. Ça par contre c'est très con. Surtout c'était juste pour me soigner quoi. Oh mais... Je suis vraiment un con. Et j'ai pas de clé. Comment je fais pour ouvrir ça? Mais c'est énervant. Je sais pas comment. Je sais pas comment on fait. Comment j'ai fait pour esquiver ça, je ne sais pas. Ouais.
Il y a une secret qu'on n'a pas faite là. Enfin, une item room qu'on n'a pas faite là-bas. Je me tâte à retourner au début quand même pour les coffres. Hein. J'ai jamais pris ça. Attends, mais il y a des coffres à ouvrir en plus là-bas. Toutes les tourelles de la zone. Alors le problème qu'on a là actuellement, c'est que ouais, c'est quand même juste beaucoup plus fort. Mais au tout début, on avait un coffre aussi. Après, c'est vrai qu'on est dans pas longtemps, on est niveau 3. Donc ça vaudrait peut-être même le coup d'attendre qu'on soit niveau 3. Pour aller chercher une nouvelle arme. On a même un coffre encore là-bas. Ouais, vous savez quoi, on va garder le pistolet. C'est peut-être le pire choix de ma vie, mais c'est pas grave. Là, je suis perdu là. Ok, gauche. C'est ouf parce que dans ces phases-là, je trouve que le... Enfin, on voit trop le temps passer. Alors que justement, dès que ça... En fait, quand c'est du gunfight en continu, justement, on voit pas le temps passer. Oh, la maison. Et là, on va se retaper du lore, ça va durer 1000 ans. Mais là déjà on a une très très bonne arme. Hein. En fait c'est bizarre comment on a pris de la... Ah et là la lumière n'est pas allumée donc on peut pas accéder à l'intérieur. Ok. Bah là j'ai l'impression qu'on a quand même pris de la maîtrise d'armes très rapidement. J'ai déjà cette déterre. Est-ce que c'est bien utile que je... Action enregistrée, revenir après achèvement. Comment ça? Comment ça? Putain, il va dire que la run d'avant, j'avais l'astronaute et que je l'ai foutu en l'air. Une attaque de mêlée plus puissante. Ouais. Alors ça c'est fort et je comprends en fait maintenant. On répare l'intégrité de 5% des dégâts infligés par niveau d'adrénaline. Donc admettons si j'ai le niveau d'adrénaline au niveau 1. Bah du coup quand je fais des dégâts, les dégâts que j'inflige, il y a 5% de ces dégâts là qui me sont rendus en vie. Mais si j'ai l'adrénaline niveau 5, et bah du coup c'est 25% qui m'est rendu. 25% des dégâts que j'inflige, donc c'est très fort. Mais il faut que je gère au niveau de l'adrénaline. Il faudrait même que je temporise pour gérer mon gain d'obolite. Sauf que la temporisation, c'est un peu... C'est un peu contraire à ce que voilà, à ce que le jeu te demande de faire. Donc là c'est bon, je suis full life.
Donc ça veut dire que les prochaines résines, c'est bon, c'est OP. Meilleur choix de prendre la régène. Hein. Meilleur choix de prendre la régène. C'est juste beaucoup trop pété la régène. Donc il y a peut-être moyen que maintenant on s'en sorte parce que justement j'ai pris cette régène. Parce que sans la régène, là, vous imaginez pas à quel point je me faisais mais bolosser le cul. Ah et là on a une challenge. Et là ça y est ça repart comme la run d'avant. Où je commence à mettre super bien. Alors c'est très bien hein, le coup de la challenge. Bon là on a le boss du coup. On a un coffre là-haut. On peut l'avoir ou pas? Parce que si j'ai une bonne arme ça m'éviterait de faire un aller-retour de l'infini pour aller chercher le coffre du début. Rayon du néant. On a les missiles guidés hein, avec le pistolet. Je pense que c'est quand même plus OP la carabine. Tu sais quoi, je suis full life. On va aller faire la challenge maintenant. Chauve-souris. Chauve-souris qui sont souvent avec Et je suis refull life. Parce qu'évidemment. Bon,
Ouais, donc là je suis encore full life, hein. C'est juste trop bien. Je crois que c'est l'item qui nous permet de... de dire que c'est easy win en fait. Y'en a encore ou pas? Non, c'est bon. Ça va être easy win avec ce... avec ce truc. Onde. Ah, je le prends parce que il faut avancer. Et sans faire l'américain, j'ai envie de vous dire qu'on n'est pas à ça près. Il me manque un pet de maîtrise d'armes. Est-ce que si je sors... l'attaque de mêlée plus puissante qu'on avait à disposition dans le shop. Normalement, on est d'accord, j'ai encore accès à cette salle après. Donc ça veut dire qu'on peut revenir. Ah bah... même pas besoin. Aimant à obolite. Elle est niveau 5. Ok, bon, meilleur choix de prendre la régène, hein. J'ai hésité, mais en fait, il n'y avait même pas à hésiter, hein. C'est juste beaucoup trop pété, hein. Je suis sur le cul. Attends, mais on avait ça aussi? J'avais même pas vu. Je sais pas si ça marche. Et là, évidemment, on n'a pas d'astronaute, hein, sur cette run. Tu peux y aller qu'on n'a pas d'astronaute sur cette run. Je suis dégoûté. Quoi, cette arme? Zone confinée. Du coup, je l'ai dessoudé avec la nouvelle arme, mais... on va quand même reprendre... ah. Bon, on s'en fout un petit peu. Mais je me demande quel intérêt il y a, du coup, d'ouvrir les coffres avec les clés. Si c'est tout le temps des... c'est tout le temps des armes à l'intérieur. Mais c'est pas tout le temps des armes à l'intérieur, parce que des fois, on a des consommables. Moi j'ai vu que justement quand on avait une arme qui nous convenait très bien, ça servait à rien d'ouvrir les coffres. C'était du gâchis. Et c'est vrai. Bon, du coup on ne va pas looter la vie. Là, on aurait une revive avec 6 éthers, mais on va même pas les claquer. Franchement, hein, si on a cette revive-là arrivée au niveau des robots, je vais pas me gêner. Hein.
Dégâts absorbants. Comment ça? Sphère d'extermination. Ah, c'est pour enlever les parasites. Bon, non, mais là, on est juste overkill, hein. Vraiment. On a les mains au bolite et tout. J'ai même pas besoin. Putain, on pourrait, hein. On pourrait utiliser ça pour augmenter le gueule étroite. Mais non, non, on est tellement bien. C'est... Non. Non, on est trop bien, là. J'ai juste à courir dans tous les sens, à tirer un peu... Putain, en plus, on a la régène et tout, mais... Donc là, toute la vie que je ramasse, c'est garanti, c'est juste un boost de vie max. J'ai vu qu'on avait un trophée où justement fallait être à plus de 100%. Ce qui va vite arriver, hein, là, du coup. Donc ça, on va le récupérer, du coup. Le dégât absorbant activé, je vois pas trop ce que c'est. Je pense que j'ai le droit à un hit. Parce qu'en fait, les bonus d'adrénaline changent en fonction des runs. Et là, pour le coup, j'ai le droit de me faire taper une fois avant d'avoir la perte. Et là, vu que je suis à 4,6, c'est trop fort, ma régène elle est trop pétée, quoi. Collègue de bolide amplifié. Ouais. C'est trop pété. C'est bon. C'est pas grave. J'ai fait le requin, mais c'est pas grave. C'est pas grave, j'assume. J'assume totalement. Pourriture explosive, traînée de pourriture, ça a l'air fort. Ça a l'air très très fort. Mais je fais beaucoup de dégâts avec le lanceur. En vrai, je suis très très bien avec mon arme. J'ai pas envie de risquer. Augmente le taux de maîtrise de 15%. Ça me coûterait 12. Enfin, ça me coûterait 200. J'aurais dû attendre. C'est pas grave. Le jeu me propose pas d'astronaute, hein. C'est quand même pute, hein.
Faudrait quelques ennemis là. Ok, et donc là, à partir de là. Là, il me fallait une clé pour ouvrir. Non, parce que là, il y a du coffre et compagnie, mais j'ai pas envie de l'ouvrir maintenant. Je suis bientôt au taux de maîtrise niveau 5. Donc là, c'est pour aller vers le boss, mais du coup, je vais tomber nez à nez au boss. Ouais, et du coup. Du coup, noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Ça fait chier. Ah, mais après, le boss peut peut-être me donner le. La maîtrise. Qui me manque. Grandement le dé de récupération de mêlée et le dé de la récupération de la ruée. C'est non. Très élevé, ouais, je vais pas prendre ça. Parce que sinon, je gride pas. Et non, parce que de toute façon, j'arriverai même pas à mettre la vie. Ouais, et comme ça, je prends le petit en haut. Et normalement, on augmente. Et c'est parfait. Voilà. Voilà. Et là, du coup, je peux aller tranquillement. Essayer de casser le cul au boss. On garde cette arme là. Impérativement. C'est quoi ça? Non mais vraiment. Bon, je peux essayer de retourner au shop hein, mais je crois pas qu'au shop on ait quoi que ce soit de plus. Putain, et évidemment l'astronaute quoi. Putain. Si seulement. Donc là, la secrète ici, c'est il me fallait une clé. Enfin, la secrète, l'item room. T'as la porte triangle. Juste quand même vérifier ce qu'il me faut pour le shop. Mais j'ai envie de défoncer le boss. Je sais que c'est pas forcément indispensable du coup. Mais j'ai envie de le faire. Donc là, sûr, je peux pas récupérer des terres. Ah, c'est peut-être une seule fois par jour qu'on peut faire ça. Ah, après, on pourrait faire ça, hein, 150. Oui. 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 Ah, mais c'est pas les dégâts... Merde! Oui, non, mais l'astronaute, quand même. Mais j'avoue qu'à 150 d'obolite. Ça aurait quand même été cool. Oh non, on se croit, j'ai eu peur. 150 d'obolite, ça aurait quand même été cool de les avoir pour vraiment avoir un stuff full régène. Comment perdre des dégâts gratuitement? Comme ça. Aller chercher le coffre hein, pour voir. Bon, on est foncé.
On est revenu full. Et on a le téléporteur en haut. Mais attends, on monte très très vite en niveau d'adrénaline en fait. Oui, parce que du coup, si je peux enchaîner... Ouais. Bon, je vais aller voir le coffre quand même pour... Je chipote, hein. Mais... Mais c'est quand même trop pété si on arrive à avoir... Je vais où là? Je sais pas où je suis. Non, c'est pas du tout là. C'est là-bas. Impact réplicateur. Portée pratique. En fait, ça, c'est clairement un fusil à pompe. Est-ce que ça m'intéresse vraiment d'avoir un fusil à pompe? Bon, ça, on avait dit non. Ça m'intéresse pas vraiment d'avoir un fusil à pompe. Ouais, je fais peut-être une connerie à pas le prendre. On n'avait pas un coffre ailleurs. Il me faudrait tellement une clé. Je crois qu'au tout début. Ouais, au tout début, on avait un coffre. Seulement l'ATP, elle est très loin. Bah, vous savez quoi, j'ai la flemme. Bah, vu que de toute façon, on va prendre ce téléporteur là, on verra ça avant de partir. Ce coffre là en bas, je sais pas comment on le prend. Et les autres coffres, il y a des chances que ça soit des coffres maudits. Ah mais non, il y a le coffre là ici en plein milieu qu'on pourrait prendre. Attendez. Il y a un coffre qu'on peut prendre. Celui-là. Perforant, d'accord. Bon, c'est vraiment pas ouf. Donc on va se faire ce boss. Je suis sûr on a la pire arme pour ça. Mais c'est pas grave. Pourquoi le jeu nous donne systématiquement le pistolet arrivé devant le boss? Je me pose vraiment la question. Et en plus, il nous donne exactement la même que ce qu'on nous a proposé juste avant. Très étrange. Allez, je passe.
je fais n'importe quoi. Il me braille en plus, ça m'est bêtement. C'était pas loin de le faire sans s'en prendre plein la gueule. Augmente les dégâts des armes de 5% pour chaque oubli transporté. Je suis sûr que ça c'est une erreur de trad. Hein. Transporte vers un lieu inconnu. Ah oui, c'est vrai que j'aurais pu faire deux fois ulti. Bon, bref. Et on n'a jamais eu le cube. Du coup. Ah oui, et du coup, on pourrait peut-être... permet de réutiliser une clé. Mais est-ce qu'on a une secret à ouvrir avec une clé? Mais provoque deux dysfonctionnements en se détachant. Et ça, c'est vraiment pas ouf. Je m'en fous, je détache. Je veux des sous. Si on peut avoir les 400 pour avoir l'autre passif de ouf là. Bon, a priori, on a perdu l'intégrité max. Mais c'est pas très grave. Hein. Vas-y, je fais l'américain, mais... je pense pas que ça soit rentable, de toute manière. Oui, en plus, je vais arriver dans le désert et il y aura toutes les... Oh, il me manque que dalle. Ouvrir des containers 0 sur 1. Ramasser des oubliettes 50 sur 100. Je peux déjà perdre une... Pourquoi je peux pas m'en servir? Vous transporte vers un lieu inconnu. Ah mais c'est inconnu dans le sens où c'est un endroit qu'on n'a pas visité sur la map. D'accord. Bah oui mais théoriquement... Et théoriquement, il y a la secrète que j'ai pas explorée. Le jeu m'arnaque un peu. Bon, on a un container à ouvrir et en vrai, bah, du coup, je sais lequel on va ouvrir. Putain, mais ça fait chier cette secrète là qu'on peut pas. Enfin, cette item room. Je sais pas pourquoi je vais appeler ça une secrète alors que c'est pas une secrète. C'est une item room. Une sorte d'item room. Mais du coup, je vois pas trop l'intérêt de l'avoir. Je vais pas regarder ça. On va retourner au début. Il nous manque 18 obolites pour avoir le...
l'item qui nous intéresse. Hein. À votre avis, comment je le vis actuellement? Bah, ce serait bien qu'il y ait des ennemis qui pop, tout simplement. Je serais très content. Eh hey, mais attends, il y a le parasite qui nous intéresse pas, que je peux sacrifier. Ok, c'est bon. C'est bon. Ça, on s'en fout. Ah, remarque, rayon du néant. Ouais, mais on a l'aimant à obolite. Non, c'est juste beaucoup trop fort. Donc là, en théorie, on est censé partir par là. Mais... en fait... en fait... on va profiter du shop à 100%. C'est-à-dire... allez chercher le parasite. Je sais, ça implique beaucoup d'aller-retour. C'est dommage qu'il n'y ait pas de temps en temps un système de recyclage d'armes qui nous intéresse pas. Ou justement un consommable qui nous permet je sais pas, de recycler une arme qui est devant nous qui nous intéresse pas. Vas-y. Voilà. On va pas avoir les 50 obolites par contre pour pour annuler le dysfonctionnement, mais ça c'est pas grave. Par contre, ouais, j'avoue, mon intégrité max, elle s'est bien pété la gueule. Hein. Mais normalement, on va avoir de la régène et tout. Ok, c'est bon. On peut acheter le passif. Et j'ai presque envie même de mettre un suspense avant d'arriver dans la nappe du désert et de couper la VOD. Comme ça. Quand on va commencer la prochaine VOD, je vais me faire insta-kill. Je vais me faire un stack kill et du coup rip. Oui. Ah oui, par contre l'intégrité max c'est triste. Ouais. On va se laisser devant le portail. Alors, je vous rassure, je vais quand même essayer de speeder pour la suite. Parce que, bah, mine de rien, ça traîne. Mine de rien, ça traîne. Et, bah, limite. Et j'aimerais bien ne pas avoir à... à me coucher à 4h du mat. Et c'est surtout que bah, j'ai 1 milliard de VOD à envoyer. Et j'aurai jamais le temps de les envoyer cette nuit. Et du coup, bah, je vais être à la bourre. Quoi. Donc si je veux streamer demain, faut que je m'organise. Mais bref. Et bien du coup, la suite au prochain épisode. Des bisous YouTube. Croisons les doigts que je ne meurs pas la prochaine fois. Dès le début du moins.